Yéda ne pouvait valoir une fortune. Yé ne pouvait pas les laisser échapper. Yé décidé donc de l'attraper tout ses chemicassés. Tiens, mon gauchito, enchaîne comme moi. Il s'agitait comme un forcené, mais il était expert à ce jeu-là. Il pensait qu'il pourrait désarçonner aisément ce gauchito, mais s'aperçut bientôt qu'il avait trouvé son maître. Gauchito, qui est le maître? Il décidait alors de l'entraîner pour les courses dans un endroit où personne ne pourrait le voir, car il avait l'intention de gagner des milliers de pesos. Grâce à ses petits bourricots, il faisait des merveilleux plans d'avenir. Nous allions vivre comme des rois, et je serais le caoutchouc le plus riche du monde, avec des diamants à chaque doigt. Dressait ses bourricots comme un petit singe. Il apprenait des nouveaux tours chaque jour. Et vous auriez dû les voir venir boire mon maté qu'il préférait à l'avoine. Et le soir, nous nous endormions près du feu, fourbus tous les deux. Enfin vint les grands jours.